Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer le skin vainqueur d'élite et son sac à dos gratuitement sur Fortnite et je vais vous expliquer aussi comment vous allez pouvoir débloquer ces trois accessoires gratuitement. Donc c'est une émote, un aérosol et un écran de chargement. Alors tout d'abord, je tiens à vous préciser que je mettrai le lien du site en description, en commentaire épinglé si vous voulez plus d'informations, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors je vais commencer par ces trois objets que vous allez pouvoir débloquer gratuitement. Alors pour les débloquer, il faudra activer votre Twitch Drop. Donc il y a des vidéos sur YouTube qui expliquent comment associer son compte Fortnite à son compte Twitch pour pouvoir débloquer les récompenses en regardant tout simplement le live de FNCS Grand Royal, donc la finale de la FNCS. Donc les dates sont du 19 au 21. Ou alors le 20 et 21 sur la chaîne officielle de Fortnite. Ou alors vous regardez la diffusion Europe, donc d'Europe, entre le 19 et le 21 à ces heures-ci. Donc regardez le début, ça commencera à 18h jusqu'à 18h15, ça c'est le début de l'événement. Puis la retransmission en direct pour l'Europe, puis la fin de transmission. Donc le 19, le 20 et le 21 à ces heures-là, si vous regardez la rediffusion retransmise en français, je pense que le lien est un peu plus bas, voilà, juste ici, sur twitch.tv fortnite.fr, et bien vous aurez la possibilité de débloquer ces trois récompenses. Je pense que c'est une récompense débloquable par jour, donc il faudra regarder 30 minutes de l'événement pour débloquer la première récompense, puis 30 minutes de l'événement de la deuxième journée pour débloquer la deuxième récompense, et 30 minutes de la troisième journée pour débloquer l'écran de chargement. Je pense que ça se passera comme ça. Ou alors, vous pouvez aussi regarder directement sur twitchfortnite.tv à partir du 20 et du 21 sur leur chaîne officielle. Alors, ça, c'était pour les trois accessoires que vous allez pouvoir débloquer sur Fortnite gratuitement. Maintenant, si vous voulez débloquer ce skin-ci gratuitement, il faudra participer à la Coupe de la Communauté le 17 novembre en Europe. Donc ça, c'est pour les Européens. À partir du 17 novembre, il y aura une coupe dans Fortnite qui s'appelle la Coupe de la Communauté que vous allez pouvoir participer. Donc pour participer à cette coupe, il faudra faire du trio. Donc vous devrez être 3. Vous aurez 3 heures pour réaliser 10 parties et tenter d'obtenir le plus de points possible. Et les meilleurs de chaque région gagneront le vainqueur, donc le skin vainqueur d'élite et l'accessoire de dos associé. Alors pour l'instant, le règlement de la coupe ne s'affiche pas. Ah ben si, maintenant il s'affiche. Donc justement, je vais pouvoir vous dire qu'est-ce que vous allez devoir faire pour débloquer le skin. Donc voilà, en Europe, il faudra être parmi les 900 meilleurs joueurs d'Europe pour obtenir la tenue cosmétique Titan Violet de la FNCS avec son accessoire de dos. Et ben, les points, ils sont ici. Hein. Première victoire, enfin si vous faites une victoire royale, c'est 25 points, 20 points, etc., etc. Et chaque élimination rapporte un point. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas que le site est en description, en commentaire épinglé si vous voulez plus d'informations. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulo Mike et ciao. Peace. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulo Mike et ciao. Peace.